Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je ne voulais pas vous assommer avec les habituels ronronnements sur les immenses potentiels de l'Algérie. Mais le sujet d'aujourd'hui me l'impose. Mais, je ne vous parlerai pas comme ces barons du régime qui poussent l'éloge démagogique jusqu'à la caricature sur tout ce qui concerne ce merveilleux pays et qui tentent, ces gens-là, de nous faire à croire que c'est grâce à eux qu'il est comme il est, grâce à la révolution qu'ils ont menée contre le colonialisme, au combat de l'édification nationale, comme ils disent, puis à leur militantisme qui nous assène matin, midi et soir. Et ils font comme s'ils ignoraient que nous savons, que tous les Algériens savent ce qu'il en est au juste, que ce pays de cocagne n'en est plus un, que les barons du régime sont de faux révolutionnaires, mais de vrais canailles, excusez du peu, qui ont pillé ce pays, qui l'ont ravagé, qui l'ont vidé de toutes ses forces saines, de toutes ses substances vives, qu'ils ont poussé le meilleur de sa jeunesse à l'exil, qu'ils ont laissé des millions de travailleurs sur les bords de la route après les avoir menés en bateau, et qu'ils sont en train de mener le pays tout entier à une inéluctable explosion si les Algériens n'y prennent garde et s'ils ne se ressaisissent pas à temps. Le sujet d'aujourd'hui nous a été inspiré par deux déclarations publiques et par la visite d'un présidentiable français en Algérie. D'abord, les félicitations de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, au régime algérien pour son zèle à appliquer les recommandations de restriction budgétaire du FMI. Ensuite, les déclarations de Jean-Louis Guigou, le président de l'IPMED, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, un gros think tank euro-méditerranéen très impliqué dans le relationnel interméditerranéen et qui a réussi à se faire une place de choix dans le domaine de la consultation et de la prospective. Voici ce qu'a déclaré le président de l'IPMED. Je le cite. L'Algérie sera demain un très, très grand pays. Un très grand pays. Il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes. Il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Fin de citation. Et il donne, M. Guigou, des arguments et d'autres que nous écouterons dans le détail dans un petit moment. C'est pour le moins une déclaration très surprenante, même si elle est très flatteuse pour les Algériens, d'une manière générale. Nous verrons ce qu'en pensent nos invités. Puis, nous parlerons enfin de la visite en Algérie d'Emmanuel Macron, candidat aux présidentielles françaises. Il y a été accueilli avec un rare empressement. Le régime algérien a mis les petits plats dans les grands et fait montre d'un enthousiasme, j'allais dire, presque choquant. Parce qu'il n'est pas normal qu'un État, quel que soit son niveau de déchéance et de dépendance, déroule ainsi le tapis rouge pour un candidat, entre autres, d'élection présidentielle d'un pays étranger. C'est pour le moins une contribution très forte dans une campagne électorale étrangère d'un pays avec lequel l'Algérie a de très fortes relations et qui y dispose d'une communauté très importante. Mais Macron a quelque peu renvoyé l'ascenseur, puisqu'entre autres accolades, embrassades et autres curieuses effusions, il a fait des déclarations qui ne manqueront pas de soulever une tempête en France et de marquer puissamment la suite des événements électoraux. Il a déclaré, entre autres, sans aucun contournement, que le colonialisme est un crime contre l'humanité, ce qui est une première venant d'une personnalité politique française.
Et encore plus fort, puisque c'est un candidat à la présidentielle, il a déclaré ceci, je le cite. « La colonisation fait partie d'un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. » Fin de citation. Nous évoquerons donc tout cela, nous parlerons de l'Algérie, de son potentiel, des perspectives qui peuvent s'offrir à elle, mais nous envisagerons tout cela sous l'angle de la dure réalité. Nous tenterons de comprendre les tenants de ces différentes déclarations, ce qui les sous-tend, ce qui les explique, comme nous essaierons de comprendre si la vision de M. Guigou n'est pas trop optimiste par ailleurs, peut-être même par trop démagogique. Puisqu'il n'est un secret pour personne que le pays est dirigé par une médiocratie, voire même par une mafia organisée, et que ce genre de système est un étouffoir pour toute initiative positive, même dans de très bonnes conditions, et que la rupture des grands équilibres, autant politiques, financiers que sociétaux, que ce régime a induit, ont amené le pays tout entier au bord d'une tragique situation. Une situation qui ne peut se prêter à un tel optimisme béat, j'allais dire. Oui, l'Algérie est un grand pays, le plus grand d'Afrique en termes de superficie. Un pays immensément riche au point où, sous les efforts conjugués de ses ressources et d'un régime prédateur, il ne produit presque plus rien. Il peut vivre sans rien produire, se contentant de manger son blé en herbe, voire même celui des générations futures. En moins de 20 ans, ce pays a dilapidé plus de 1 000 milliards de dollars en vaine consommation, qui a surtout servi à enrichir une vaste catégorie compradors, devenus alliés et remparts naturels du régime, qui lui permet de se sustenter à la mamelle de la rente. Oui, l'Algérie dispose d'un relief et d'une position géographique idéale, qui la place à l'exact centre du monde, au cœur de la Méditerranée, au pôle de l'Afrique, intermédiaire incontournable entre le reste de ce continent et l'Europe. Sous un système plus méritocratique, elle aurait pu devenir un véritable pôle multidimensionnel pour des échanges massifs entre toute l'Afrique et l'Europe. Oui, sa diaspora est un formidable potentiel de compétences en toutes sortes. Oui, sa jeunesse peut devenir un formidable atout pour le développement. Oui, sa position centrale dans un Maghreb en pleine effervescence économique peut faire d'elle un cœur battant, étant d'autres éléments qui tous confortent les déclarations de M. Guigou sur ce pays de cocagne qu'est l'Algérie, sauf que de terrifiantes réalités viennent assombrir ce tableau idyllique. La présence non seulement d'un régime particulièrement ravageur, opposé à toute possibilité d'instauration d'un véritable état de droit, mais aussi et surtout d'une grave carence sociétale provoquée par les effets d'une trop longue mafiocratie. Les Algériens ont désappris la valeur travail, la valeur civique, des vertus qui ont survécu pourtant à la longue nuit coloniale, mais que le régime a réussi à totalement éradiquer. Aujourd'hui. TSA, Emmanuel Macron, la colonisation est un crime contre l'humanité, par Faisal Metaoui. Chouf Chouf, Jean-Louis Guigou, l'Algérie sera un très, très grand pays, par la rédaction. Partie UDM. Madame Christine Lagarde applaudit les mesures d'austérité du pouvoir d'Alger par Vlie. Algérie, les trompettes de la renommée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir pour en parler de recevoir sur le plateau Brahim Younsi, président de l'UDM. Merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Bonsoir. Les spectateurs. Merci. Et au téléphone depuis Alger, Farhat Ait Ali, expert financier. Merci d'être avec nous, Farhat Ait Ali. Est-ce que Farhat Ait Ali est avec nous?
Bonjour, Farhat Aitali, salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir plutôt, merci. Alors, nous allons commencer par vous, donc, et par ces fameuses déclarations de Madame Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, qui a donc félicité le régime ou l'État algérien pour son zèle à appliquer les directives du FMI en termes d'austérité, en termes de serrage des vis. Bon, si Jamal, la déclaration de Christine Lagarde s'est pratiquement résumée à deux phrases dans lesquelles elle a énoncé un petit peu sa satisfaction de voir le gouvernement algérien adopter une nouvelle vision de la prospective économique en cadrant les budgets sur 3 années. Disons que dans la nouvelle loi de finances pour 2017, il y a quand même des prévisions de recettes et de dépenses pour 2018 et 2019. Je crois qu'elle s'est pratiquement limitée à ça. Elle n'a pas abordé le sujet du maintien des dépenses parce qu'en guise d'austérité, le budget n'a pas tellement reculé par rapport à 2016. Par contre, en guise de recettes, de prévision de recettes, automatiquement d'augmentation de la pression fiscale, le gouvernement il a tablé un petit peu sur des recettes supplémentaires, je dirais en matière de fiscalité ordinaire, quand même assez lourdes, qui avoisinent les 40 milliards de dollars sur 3 années, de 2017 à 2019. Mais je ne pense pas que Madame Lagarde ait donné le satisfecit sur le détail de ses prospectives, parce qu'elles étaient vraiment dans la loi de finances, elles étaient vraiment, je dirais, opaques d'une certaine manière et généralistes. Il n'y avait pas de détails. Par contre, dans le projet de loi de finances, si les experts du FMI l'ont lu, et personnellement, je suis arrivé à la conclusion que les prévisions de recettes ne reposent sur pratiquement rien de concret. Maintenant, si les experts du FMI l'ont lu et l'ont compris comme il devait être compris, le satisfecit n'a pas lieu d'être. C'était pratiquement des prévisions d'augmentation de recettes qui non seulement vont faire pression, une pression fiscale insoutenable sur le gros des citoyens, mais en plus ce n'est pas réalisable. C'est techniquement impossible de réaliser ce genre de prévisions. Pourtant, elle est claire, elle dit, je la cite, hein, l'Algérie constitue un bon exemple. La loi de finances de 2017 prévoit un cadre à moyen terme qui fixe des objectifs de recettes et de dépenses pour les trois exercices à venir. Fin de citation, comme vous venez de le souligner. Voilà, c'est aussi clair que ça. Disons que c'est le fait d'avoir fixé un cadre sur 3 ans qui donne lieu au satisfecit, pas le détail du cadre ou ses prévisions ou bien le détail des chiffres. Elle ne s'est pas étalée jusque-là. Donc on ne peut pas commenter ce qu'elle n'a pas dit ou n'a pas osé dire. Absolument. Mais sinon, l'un dans l'autre, Farhat Aitali, très franchement, en laissant de côté tout ce que ce régime a pu commettre de catastrophique, de ravageur pour l'économie, de son intempérance, son imprévoyance, on met tout ça de côté. On prend la situation telle qu'elle est maintenant, à supposer que demain, nous allons avoir un autre gouvernement tout à fait sain, tout à fait vertueux. Est-il possible de faire autrement que de serrer les vis? C'est quasiment impossible et en plus, disons que je me méfie un petit peu du terme vertueux, parce que pour paraphraser Voltaire, un beau jour il avait dit à l'époque des rois de France que la vertu c'était comme les corbeaux, ça ne nichait que dans les ruines. Bon, ceci dit, ce n'est pas pour donner un satisfecit au pouvoir actuel en matière d'absence de vertu. Mais j'aimerais bien qu'on pense à un régime dont la vertu principale sera justement d'être compétent, de ne pas imposer son incompétence, de ne pas imposer son imprévoyance comme étant un programme de gouvernement. À la limite, sur votre chaîne, un de vos collègues m'avait un jour fait une comparaison entre le régime local et la mafia italienne. J'avais dit que c'était vraiment malvenu qu'on allait se faire attaquer par la mafia italienne. La mafia italienne est très bien organisée et elle sait exactement quelles sont les limites à ne pas dépasser quand il s'agit de ne pas faire tarir les sources de ses revenus. Elle n'a jamais coulé l'Italie pour survivre à l'Italie. Ce n'est pas le cas de la gouvernance locale. Nous ne connaissons pas de limites. Ça, c'est vraiment, c'est typiquement tiers-mondiste et peut-être même moyen-oriental.
ça croit que c'est génétique. Les gens, ils veulent survivre à la nation. Et ça, c'est incompréhensible quand même. Mais est-il possible de passer par d'autres possibilités autres que l'austérité, le serrage des vis? Écoutez, si jamais, sérieusement, quand vos revenus baissent de moitié, donc vous êtes obligé de reculer quand même de moitié sur vos dépenses. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le serrage des vis si on était resté dans les limites de dépenses, les limites de prise en charge des dépenses superflues qui étaient celles des années 2000 à 2008? Je dirais que même avec les revenus actuels, on peut soutenir les budgets de 2002 à 2008. Mais maintenant qu'à partir de 2009, avec l'envolée des prix du pétrole, les besoins du régime, les besoins artificiels de la société sont passés à 60, il faut les ramener d'une manière ou d'une autre à 30. Donc il va y avoir des restrictions. Maintenant, qui va les supporter? Tout le problème est là. Est-ce que c'est ceux dont le train de vie n'a pas tellement changé qui vont encore supporter l'austérité, ou bien les gens qui sont indûment habitués à un train de vie qui n'aurait jamais dû changer, qui vont supporter justement ces mesures? Et d'après ce que je vois, au même moment où on demande à ceux qui ont eu le moins, quand il y avait des revenus conséquents, de supporter le poids du recul en arrière de ces revenus, c'est le moment que choisissent certains pour annoncer en grande pompe des dépenses inconsidérées, mal calculées, des projets foireux, et même à la limite, une sorte de folie des grandeurs qui n'a pas lieu d'être dans l'état actuel des choses. Il y a un minimum de crédibilité, on ne peut pas demander aux gens de serrer la ceinture alors qu'elle n'a jamais été vraiment tellement desserrée, quand on se propose par la même occasion, comme grande action gouvernementale, de dilapider ce qui reste. Brahim Younsi, Frate Italien nous dit que les restrictions sont imparables, incontournables. Et il se demande, mais la question qu'il pose est qui va les supporter? Oui, mais c'est toujours les mêmes. Le plus petit qui se mouille. Moi, je me méfie toujours des analyses des experts. Oui. Moi, je suis dans le politique. D'accord. Or, ce que je constate, à travers les déclarations de Madame Lagarde, Madame Lagarde n'a pas parlé qu'avant-hier. Elle a toujours parlé, elle a toujours regardé l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle demandait à l'Algérie? Quelles sont les recommandations, pour ne pas dire, pour ne pas reprendre votre mot, exigences? Il y a des recommandations qui sont des exigences. L'Algérie est sous. Des recommandations polies, disons. On peut le faire de cette façon-là, mais des recommandations polies qui ont des répercussions extrêmement graves sur la population. Mais y a-t-il moyen de faire Qu'est-ce autrement? que Madame Lagarde demandait à l'Algérie? Des restrictions budgétaires. Et elle demandait la suppression de subventions. Je dis de subventions. De subventions sur l'énergie, des subventions sur l'énergie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des hausses de prix. Entre autres, hein, et pas Oui, que mais, ça. non, mais c'est pour ça que j'ai dit Oui. deux. Oui. Mais il y a dès aujourd'hui des hausses des prix de l'énergie. Qui sont L'essence, infimes, hein. Qui sont infimes. des hausses. Oui. Des hausses infimes, c'est déjà beaucoup pour Oui. celui qui n'a rien. Oui. Essence, gaz, électricité. Et les Algériens sont consommateurs. Surtout au sud, au Bon. Sahara. Ensuite, Madame Lagarde demande la suppression d'un certain nombre de subventions, notamment sur le soutien des prix, et notamment les prix des produits de Dit de base. première nécessité. Des produits de base, céréales, huile, lait, sucre, Oui. etc. Nous sommes là dans un programme. En plus, bon, elle se satisfait des restrictions budgétaires en Algérie, mais elle dénonce les restrictions budgétaires des pays industrialisés parce qu'ils freinent la La croissance croissance, économique. oui. C'est cela où c'est Oui. le problème du FMI. Le problème du FMI nous a déjà imposé, nous l'avons déjà supporté. En 1994, il nous a imposé, en pleine guerre faite contre le peuple algérien, des programmes d'ajustement structurel que nous avons payés, que le peuple a payé très, très, très cher. Ceux qui sont responsables de la gabegie s'en sortent très bien. S'en sortent très bien. Mais les restrictions, l'austérité, la rigueur, comme disent certains, c'est le peuple qui va la supporter. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'il y avait
il y a 15 ans une autre politique à faire et il y a aussi une autre politique économique et de développement à mener. Et nous allons passer au sujet, le sujet prochain, qui est donc celui de la déclaration très fracassante, pour le moins, de M. Guigou, que nous allons écouter dans son intégralité. Et nous remercions donc l'entreprise à laquelle nous l'avons emprunté. De cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public à la fois constitué par des entrepreneurs et la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays. Un très grand pays. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, quatre tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique. Et si l'Afrique monte en puissance, eh ben, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb entre l'Europe et l'Afrique. Et le forum France et le forum Algérie-Afrique, le 4-5-6 décembre, a été un grand succès. Moi, je suis sorti étourdi de voir la puissance de 4-5 000 personnes. Je n'ai jamais vu ça. La deuxième chose que nous voyons comme tendance lourde, que nous observons, c'est l'industrialisation du nord de l'Afrique, du Caire à l'Algérie, au Maroc. Tout ce nord va devenir, à cause de l'énergie, de l'espace, va devenir une grande zone industrielle. L'Europe va se robotiser, l'Europe va perdre des emplois industriels, une partie, et l'Algérie veut se transformer, diversifier ses exportations, diversifier sa production, et donc le nord de l'Afrique et l'Algérie vont récupérer des tas d'activités. Et ces activités, plutôt que de décliner en Europe ou de partir en Asie, elles vont venir là. Et donc se constitue au sud de l'Europe une grande zone industrielle de 150 à 200 millions de travailleurs. Et il vaut mieux, plutôt que de voir les Algériens et les Maghrébins monter dans les usines en Europe, il vaut mieux voir le capital descendre et s'installer en Afrique du Nord. Et cette tendance est très fortement ancrée parce que les industriels européens qui sont obligés de travailler sur la qualité sont en train de compacter leur chaîne de valeur. Ils ne veulent plus avoir des établissements au Vietnam, au Brésil, en Afrique du Nord, en Australie. Ils compactent sur 2-3 000 km leur chaîne de production et dont l'Afrique du Nord et l'Algérie rentrent là-dedans. Le troisième événement qui me paraît important, c'est la vision géopolitique, la dorsale. Le fait que les Algériens, avec les Chinois, aient l'idée de traverser l'Afrique occidentale, de passer directement de Alger à Lagos au Nigeria, c'est énorme. Si l'Algérie, en 4, 5 ans, 6 ans, permet à tous les industriels européens de venir à Alger chercher le nouveau port et de descendre les produits pour les transformer, les adapter et descendre jusqu'au centre de l'Afrique, au Tchad, au Niger, au Mali et au Nigeria, cela évite aux produits de faire tout le tour de l'Afrique en bateau. C'est énorme. Si l'Algérie fait rapidement cet investissement avec les Chinois, alors ils auront, par rapport à l'Égypte et par rapport au Maroc, ils auront acquis une position géopolitique importante. Et puis le dernier élément qui me surprend, c'est que parmi toutes les diasporas, la diaspora vietnamienne, la diaspora marocaine, la diaspora tunisienne, libanaise, la plus turbulente, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Il bouge. Et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Silicon Valley. Voilà. Il y a là-bas 200 à 300 Algériens qui ont fait fortune, qui sont très forts, qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont dans les robots numériques, qui sont dans les big data, qui sont dans la modernité. Si cette diaspora algérienne vient en Algérie, qu'on leur offre des technopoles à diriger, c'est un gain de temps et un accroissement dans la modernité assez extraordinaire. Voilà, monsieur,
les quatre raisons pour lesquelles je crois que l'Algérie va être un grand pays avec lequel il va falloir compter. Farhat Aitali, alors, excès d'optimisme, démagogie, ou alors est-ce là des bonnes nouvelles? Bon, en parlant de démagogie ou autre chose, j'ai cru voir quand même que le monsieur Guigou intervenait dans le cadre d'un séminaire où j'ai cru reconnaître quelques têtes algériennes. Et parmi ces têtes algériennes, j'ai même cru reconnaître un économiste qui a servi quand même à élaborer le nouveau modèle économique algérien. Ce qui veut dire que dans le cadre d'un événement typiquement algérien, donc forcément plus ou moins organisé, si ce n'est pas pris en charge par la partie algérienne, c'était la moindre des choses qu'il fasse un discours de circonstance. Mais maintenant, allons-y vers l'argumentation. Absolument, là, point par point, si vous permettez. Nous allons d'abord comprendre, nous allons d'abord vous demander de nous expliquer. Quand il dit l'Algérie sera un grand, et puis il dit très grand, un grand, très, très grand pays. Bon, en éliminant un petit peu le très, très, très grand, hein, on reste un petit peu dans le grand pays. L'Algérie, à l'origine, elle avait tous les atouts pour être un grand pays. Elle a été quand même à des périodes données de l'histoire. Donc, n'insultons pas l'avenir, elle a de fortes chances de l'être. Ce n'est pas dans l'immédiat et certainement pas selon le plan que vient de proposer ce monsieur. Et encore moins selon notre vision de l'économie en ce moment et de la gouvernance en général. Mais quand tu parles, par exemple, d'industrialisation, moi, je n'en suis pas revenu. De quelle industrialisation parle-t-il? Moi, je n'en vois pas. Si j'ai bien compris, de toute façon, l'actuelle réindustrialisation, effectivement, réindustrialisation, il y a, le monsieur la voit sous l'angle de l'implication des entreprises françaises. Je n'ai rien contre l'implication d'entreprises françaises ou autres, d'ailleurs, de toute façon, légitime al-Hababi, à condition qu'il ait évidemment un plan d'investissement réel et pas un plan de s'accaparer le terrain ou de bloquer, de gêner un petit peu les concurrents avant qu'ils arrivent, pour maintenir une sorte de marché captif. Je ne vois pas en guise d'industrialisation à ce moment, en dehors de deux ou trois projets qui patinent dans la grosse industrie, sidérurgie, pétrochimie et le reste, je ne vois pas d'autre chose que le fameux montage de voitures qui a été initié justement par deux sociétés françaises, la première étant Renault, et je ne conçois pas ça comme une réindustrialisation du pays. Pour moi, le mot réindustrialisation entraîne une autre vision, entraîne d'autres projets, une vision beaucoup plus, je dirais, autarcique de la planification, et beaucoup plus autarcique aussi même de la capitalisation de ce genre d'entreprise, que ce soit au plan financier ou humain. Et quand il dit, il parle de diversification des exportations. Qu'est-ce qu'il entend par là? Que du jour au lendemain, nous allons devenir exportateurs de choses et d'autres, comme de médicaments, par exemple, entre autres, comme nous l'a dit le ministre de la Santé? Moi, personnellement, j'ai toujours dit que limiter les importations, pas par voie bureaucratique, mais en les remplaçant par une production locale qui tient la route, c'est une forme de compensation à cette frénésie d'exportation qui ne tient pas compte des réalités économiques mondiales. On ne s'improvise pas exportateur et on ne fait pas intrusion aussi dans le marché mondial comme ça parce qu'on l'a décidé du jour au lendemain. Surtout qu'on n'a ni les mécanismes, ni la politique d'échange, ni les plateformes de marketing nécessaires pour ce genre de politique. Maintenant, M. Guigou nous oriente vers l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est un axe qui veut dire oublier le Nord. Votre marché potentiel est au sud, et en plus les entreprises françaises qui doivent pratiquement élaborer des plateformes vers la France-Afrique. Disons qu'on va devenir une sorte d'interface entre la France et la France-Afrique, dont on fait partie selon la vision de ce monsieur, parce que considérer le territoire algérien comme étant une passerelle, comme il a dit, une dorsale vers l'Afrique pour le produit français, même s'il est manifestement... Non, mais il a dit aussi que les capitaux européens pourraient se déplacer là où se trouvent 150 à 200 millions de travailleurs potentiels, plutôt que ces travailleurs potentiels montent vers le capital. Ça veut dire qu'il parle d'investissement en Algérie même.
Mais il a dit quelque chose de vraiment aberrant parce qu'il a parlé justement de robotisation accélérée en Europe qui va pratiquement repousser ses capitaux vers l'Afrique du Nord. Et là, ça ne tient pas la route économiquement parce que si on robotise en Europe, il y aura du chômage en Europe. Donc je ne vois pas l'utilité de délocaliser vers l'Afrique du Nord des industries appelées à être robotisées en Europe occidentale. Il y a une contradiction dans cette logique. Effectivement, il existe 200 millions d'habitants. Ces 200 millions d'habitants-là... Non, il parle de 200 millions de travailleurs. Il parle oui, de oui justement, non. Ils sont où les 200 millions de travailleurs? La masse active algérienne, la population active algérienne estimée localement est à peu près de 12 millions et demi. Au Maroc, elle est de loin inférieure. Alors en Tunisie, on n'en parle pas. En les additionnant toutes, elles ne font pas 30 millions. Et en plus, elles sont occupées à la limite, le taux de chômage global. Même si on prend le réel, il ne dépasse pas les 30%. Donc il y a quand même 30 millions dans cette histoire-là, 25 à 30 millions qui sont déjà employés. Le reste n'est pas qualifié pour faire de l'industrie, particulièrement pour le compte de ces fameuses entreprises françaises. C'est vraiment une déclaration de circonstance pour un événement manifestement organisé par la partie algérienne qui ne repose sur aucune logique économique. Restez avec nous, Vrata Itali, Brahim Younsi. Et en plus, M. Guigou nous parle de... Ça veut dire, il est en train de dire que ça peut se passer en 5 ou 6 ans. Il l'a bien dit. Hein. Est-ce que... Ça ne relève pas du miracle. Est-ce qu'il nous vend du rêve ou de l'illusion Ou les deux, ou les deux en même temps. Monter en mayonnaise. Ou les deux en même temps. Où il veut nous mener de Charybde en Scylla. C'est exactement cela. Or, plus que les autres, l'Algérie a une expérience. Très mauvaise expérience. On nous a déjà vendu les industries industrialisante. On nous a vendu le noircissement du tableau localisé et daté, du tableau des échanges. On l'a déjà acheté. Qu'est-ce que vous voulez par là Non, c'est-à-dire que l'industrie, fondée sur l'énergie, plus l'Hadjar, allait faire... Ça, c'est les années 70. Absolument. Oui. C'est la période Boumdine Abdeslam. La période de l'industrialisation accélérée, c'est ce qu'il nous dit. En 4-5 ans, nous deviendrons un pays industrialisé. Oui. On a déjà payé. Et puis, d'où il ramène ce chiffre, comme l'a souligné Vrata Itali, de 150 à 200 millions de travailleurs, d'où il a sorti ce chiffre. On ne sait pas d'où il sort tout cela. Oui. Mais pour l'Algérie, nous n'avons pas encore fini de payer la facture des industries industrialisantes. Nous n'avons pas encore fini de payer la facture de l'industrialisation accélérée. Qu'est-ce qu'elle a produit, en dehors de tout le reste Ce dont vous parliez tout à l'heure et ce dont parle M. Guédou, à savoir l'importation et l'exportation. C'est l'industrialisation accélérée qui a fait que nous avons substitué à la production l'importation. Et nous y sommes encore. Nous y sommes encore. Le concept est né à ce moment-là. L'importation par substitution à la production. Nous ne sommes plus dans un système productif. Nous ne produisons rien. Un économiste, un jour, dans une de mes émissions, nous avait démontré que nous importons même le pain de façon indirecte. Puisque tout ce qui est dans le pain est importé plus ou moins. À partir du moment où nous achetons les céréales. Les céréales, les moteurs, les camions qui transportent la farine. Est-ce que l'Algérie, comme le dit M. Guigou, d'ici 3, 4, 5 ans, va produire ses biens de consommation, déjà. Et diversifier ses exportations. Moi, je demande d'abord la production des biens de consommation interne. Satisfaire le marché national. Non. Est-ce que l'Algérie va être productrice de ses biens d'équipement? Non. Mais c'est comme la plupart des pays du monde. Hein, il n'y a pas de pays totalement intégré. Non, c'est mais aujourd'hui, les pays produisent leurs biens. Ils importent, mais ils exportent beaucoup. Voilà, il y a un échange. Ils produisent leurs biens de consommation. Il y a un échange, ce n'est pas à sens unique. La France produit ses biens de consommation. Oui. Elle en importe, mais elle produit et elle exporte des biens de consommation. Exact. Elle produit, c'est un pays industrialisé, donc ses produits manufacturés sont produits aussi en France. Nous ne parlons pas des délocalisations, etc. Mais la France est un pays qui s'est un peu désindustrialisé, nous ne nous comparons pas à lui. Mais ce qu'oublie M. Guigou,
sur le plan politique. Bon, j'allais vous demander voilà. Ma question, et puis je vous laisserai. À supposer que tout ce que nous dit M. Guigou soit du concret, soit réel, possible, faisable, tout ce qu'on veut. C'est du Nostradamus. Mais à supposer que ce soit le cas, est-ce qu'il est possible, dans de telles conditions que celles qui existent en Algérie, d'une mafiocratie qui a pris le pouvoir au peuple algérien, constituée de gens qui sont voraces, prédateurs, qui ne respectent rien, où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, où il n'y a pas d'institution véritable. Est-ce qu'il est possible de construire, pouvoir construire quand même une économie qui se respecte? L'avons-nous construite, déjà? Non. Bon. Mais est-il possible de le faire à l'avenir? Mais avec un régime comme celui-là, non, non plus. Est-ce que la France, qui veut investir, c'est ce qu'a dit M. Guigou, oui, à l'Europe, oui, l'Europe qui va investir en Algérie pour aller vers l'Afrique, est-ce que le pouvoir en place que caractérise son illégitimité peut-il entreprendre ce type de projet alors qu'il n'est pas habilité à le faire? Il est illégitime. Monsieur Guigou oublie deux choses essentielles. Il y en a d'autres, oui, mais essentielles. C'est l'ordre local. Nous en avons parlé sur le plan du pouvoir, de la dictature qui mène ce pays. Oui. Mais l'ordre local est instable. Nous nous demandons si nous serons encore en paix dans 4, 5, 10 ans, oui, sur le plan interne. Oui. Avec tout ce qui se passe. Et encore, vous êtes optimiste, 4, oui, 5, 10 ans. Il y a un ordre qui se recompose sur le plan local. Oui. Mais il y a l'ordre régional. L'ordre régional qui est en décomposition totale. Décomposition totale. À partir du moment aussi, et c'est une question qui n'est pas de type patriotique ou nationaliste, mais il y a aussi les questions des frontières qui se posent pour construire cet ensemble et pour que l'Algérie puisse rayonner dans le Maghreb. Le Maghreb n'est pas fait, il ne se fera pas si les conditions actuelles demeurent. Donc il y a des contraintes politiques, des contraintes idéologiques. C'est ce que M. Guigou évacue très allègrement. Bon, tout cela, les Algériens l'ont vécu. Alors, une dernière question avant de passer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. M. Guigou nous parle d'une diaspora algérienne qui serait très, très dynamique, très présente, qui bouge. Et c'est comme si on pouvait, comme ça, la ramener en un claquement de doigts, y compris la diaspora algérienne de la Silicon Valley. Certainement pas. Les conditions pour cela, d'abord les conditions politiques, les conditions de la légitimité politique, n'est pas réglé. Les créateurs, oui, les producteurs de concepts, d'idées, etc. Les génies besoin de pouvoir évoluer dans un monde développé pour pouvoir pratiquer leur art. Ils ne peuvent pas venir comme ça, oui, dans le désert technologique. Déjà un régime ou un espace politique qui leur garantisse d'abord la sécurité. Oui. Un régime qui le garantisse dans un espace politique, la liberté, les libertés démocratiques, etc. etc. Des possibilités techniques, oui, scientifiques, un terrain favorable pour pouvoir mener leurs recherches. Mais là, M. Guigou compte sur la France ou l'Europe, oui, pour leur fournir ces technologies. Or, la question de la technologie est importante. Oui. Absolument. Un chercheur à la Silicon Valley ne peut pas venir travailler... D'une part, y compris sur les effets, sur la transformation, notamment sur le plan culturel, oui, d'une société. Est-ce que ces questions-là ont effleuré l'esprit de M. Guigou ou pas? Il n'y a que les nationaux qui peuvent entrevoir ce type de problèmes qui se posent sur le plan culturel. Lui, il balaye tout ça d'un revers de la main. La technologie. En 5-6 ans, on installe... Même si c'est sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. La technologie n'a jamais été neutre. D'abord, pour revenir aux industrialisations, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné plusieurs dépendances. Dépendance économique, dépendance
technologique, dépendance alimentaire, etc. Terreau favorable à la démagogie, etc. Nous allons passer au dernier thème, celui de M. Macron qui s'est déplacé. C'est un candidat comme les autres, mais il a reçu un accueil absolument extraordinaire. On lui a déroulé le tapis rouge. C'est-à-dire que l'Algérie a fait son choix, semble-t-il. Pour elle, c'est le futur président et ils ont mis le paquet dans sa réception. Est-ce que nous avons quelques images ? Une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, mais qui, comme tous et toutes qui êtes là, ne peuvent pas vivre sans. Ça fait partie de notre viatique, mais il faut savoir le dépasser. Le dépasser pour construire un avenir indispensable pour la France, parce qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui sont touchés par cette histoire commune, pour la Méditerranée, pour le Maghreb et pour l'Afrique. Compte tenu du rôle que joue l'Algérie dans notre histoire, dans notre pays, dans l'avenir aussi qui est le nôtre et qui est celui du Maghreb et de l'Afrique, il est indispensable, durant une campagne présidentielle, de venir faire une telle visite. D'abord pour mesurer à chaque instant le poids du passé, mais surtout pour avoir un discours volontariste sur l'importance de l'avenir et de notre avenir. Farhat Aitali, alors que pensez-vous de cette visite, de la façon dans laquelle elle s'est déroulée? Est-ce que le régime algérien a déjà choisi donc son futur président? Et après, nous parlerons de ces déclarations très, très... Écoutez, avant de commencer avec M. Macron, je vais juste ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse avec M. Younsi. Au début, il avait parlé de sa méfiance vis-à-vis des experts, c'est un petit peu son droit le plus absolu. Ceci dit, ma méfiance aussi vis-à-vis des politiques, elle est inversement proportionnelle. La différence, c'est que les experts et les politiques ne partagent pas justement deux choses. La première, c'est que les experts doivent prouver ce qu'ils disent, les politiques ont beaucoup plus des appréhensions et des a priori. Les experts n'ont pas d'ambition personnelle et particulière, les politiques, si, ils ont des ambitions personnelles et particulières. Voilà, donc c'est un prêté pour un rendu. Et on va passer à la suite. Voilà. En ce qui concerne M. Macron, je n'ai jamais compris quel était ce mot chez les présidentiables potentiels français de venir régulièrement en Algérie depuis le début des années 2000. Je ne sais pas, se faire adouber, se faire financer, tâter le terrain, essayer de capter un petit peu l'électorat binational qui est entre les deux rives. Les motivations des politiques français, je n'arriverai jamais à dire exactement quelle est leur finalité de ces visites préélectorales. Maintenant, pour ce qui est des finalités des gouvernants algériens, s'ils reçoivent tous les candidats français sur un pied d'égalité, je me dirais à la limite... il y a 4 ou 5 millions d'Algériens en France, donc à la limite, essayer d'avoir de bonnes relations avec tout ce beau monde pour gérer cette situation, c'est logique. Ça tient la route, c'est de bonne guerre. On ne peut pas dire que la France est un pays comme un autre, du moins en ce qui concerne la communauté algérienne en France. Par contre, maintenant, recevoir certains candidats, en particulier avec les gars qui sont dus pratiquement un chef d'État en poste, alors que dans une élection locale qui vaut ce qu'elle vaut, aucun des candidats locaux n'a jamais lui donné le droit à ce genre de réception, en dehors ou après la rente 2004 de Ali Bouteflika, pour des raisons que tout le monde connaît. Ça, je me dis qu'à la limite, on aurait pu se dispenser de ce genre de réception qui dépasse vraiment le cadre de protocolaire. Mais qu'est-ce que vous pensez, Farhat Aitali, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration pour le moins fracassante de M. Macron qui reconnaît, ce n'est pas coutumier, que le colonialisme est un crime et il parle même d'excuses qui devront être présentées. Pour être sérieux, avec la gauche française, particulièrement le centre-gauche, la gauche caviar, les déclarations sur le passé ont toujours été un prélude à certaines malversations sur le présent et le futur. À la limite, je préfère encore les déclarations encore plus fracassantes de l'extrême droite qui nous déteste et qui prétend que la colonisation a été une civilisation, mais qui, à la limite, pourrait nous détester comme un mauvais casse-croûte, que la gauche qui nous aime comme un bon casse-croûte.
Ce qui se passe actuellement dans les relations économiques algéro-françaises, on a beaucoup plus du crime yani, contre l'avenir que le passé. On ne peut pas nous vendre un avenir obscur avec des professions de foi sur le passé qui n'engage qu'un quart d'heure à Alger. Hein. Parce que chacun peut cacher exactement ce qu'il pense de la question le temps d'un internet politique. Mais de 62 à aujourd'hui, je ne vois pas que l'attitude de l'Hexagone ait tellement changé en termes économiques. Avec nous, particulièrement quand c'est la gauche qui est aux commandes. Par contre, quand c'est la droite, à la limite des fois, ce n'est pas du gagnant-gagnant, mais c'est du chacun pour soi. Et restez avec nous, Frata Itali. Là, avec une telle déclaration, Macron a choisi une sorte de camp. Ça veut dire qu'il n'aura pas les voix des gens qui sont contre cette reconnaissance de colonialisme comme crime contre l'humanité, comme des excuses qui commencent à agiter dès lors. Je ne suis pas dans la polémique, mais je vais répondre à Itali. Gentil. C'est très gentil, c'est une réalité. Il a répondu très courtoisement qui avez commencé. J'ai dit ce que je pense. Il dit ce qu'il pense. Oui, absolument, avec le respect que nous devons l'un à l'autre. Mais très vite, très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à l'expert de décider, c'est toujours aux politiques. C'est peut-être pas une bonne chose. Non, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Les experts n'ont pas à décider. Ils donnent un avis. Ce n'est pas eux qui orientent les politiques. Il faudrait qu'on organise une émission un jour sur ça, c'est un thème intéressant. Mais ce n'est pas aux experts d'orienter une politique économique. Mais l'expert généralement peut avoir une position politique aussi. Non. Hein. Oui, mais d'accord, mais il faut qu'il s'engage en politique. Oui. Ce que nous disons, nous, moi non plus je ne suis pas élu, mais ce que nous disons, nous, qui voulons un régime démocratique, c'est que le politique, quand il a la légitimité, décide. Oui, quand il a la légitimité. Oui, absolument. Nous allons donc passer à M. Macron. Bon. Monsieur Macron, moi j'ai dénoncé cette visite, parce que cette visite, si j'ose dire, la rupture avec le passé, avec les déclarations convenues du passé, les seules déclarations qu'il a faites méritent qu'il aille en Algérie, à savoir que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est la première fois qu'un responsable politique français le dit, qui est présidentiable. A fortiori, et qui est favori pour être présidentiel. A fortiori, un candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire s'il contente un côté, il mécontente beaucoup d'électeurs éventuels et potentiels. Ouais. Donc c'est une déclaration courageuse, il faut le dire. Oui. Il faut le dire, c'est une déclaration courageuse. Il parle même d'excuses. Et quand il parle d'excuses, c'est également, je suis preneur, et c'est également une déclaration très courageuse, que c'est... J'allais dire ses prédécesseurs parce que, effectivement, selon le sondage, il est le mieux placé pour devenir le prochain président de la République française. Ouais. C'est-à-dire qu'il anticipe sur les choses, mais il doit les dire aussi, les répéter, lorsqu'il sera en fonction, s'il était en fonction, si les Français l'Élysée. Est-ce que le FN ne va pas être tenté d'en profiter pour lui arracher certains pans de son électorat? Sur ça, sur ces déclarations pas, c'est sûr. Moi, je vois les pieds noirs, etc., qui ne vont pas être d'accord. Ils sont encore présents, qui sont très actifs. Bien sûr. Qui sont très concernés aussi. Qui ne vont pas être contents de ce qu'on appelle la repentance. Oui. Même à droite, même Fillon... Plus que la repentance, des excuses. Oui. Ah, c'est une forme de repentance. Mais sinon, pourquoi le régime algérien attache-t-il autant d'importance au chef d'État français? Pourquoi... se coule-t-il comme ça, avec tant d'empressement sur leur semelle? Pourquoi c'est réciproque. Réciproque, vous pensez? C'est réciproque. Pas un seul candidat à la présidence de la République française n'a évité Alger. Oui. Je parle des candidats. Oui. Chirac, Mitterrand, Chirac... Mais parmi les candidats actuels, il n'y a que Macron, pour le moment. Oui, parce que les autres ne conviennent pas. Je ne vois pas Marine Le Pen aller à Alger. Mélenchon est très pro-algérien. Se rendre à Canossa. Mais s'il ne le fait pas, c'est pour d'autres raisons. Peut-être parce qu'il n'a aucune chance ou qu'il ne veut pas de Ou de peut-être que le régime algérien lui a fait savoir qu'il préfère recevoir Macron et seulement Macron. Oui, parce qu'il pense qu'il n'a aucune chance de devenir... va-t-il faire le voyage d'Alger ou ne va-t-il pas le faire? C'est quand même important de... Et le régime semble investir en Macron. Oui, à l'évidence.
oui. À l'évidence. À l'évidence parce que c'est lui qui, pour l'instant, est le mieux placé pour d'autant qu'il a fait certaines choses en Algérie, il a travaillé avec les Algériens. Moi, ce que je lui reproche, c'est là aussi que nous revenons à la discussion dernière sur le réalisme politique. Il est dans un réalisme politique, il prend les choses telles qu'elles sont, alors que les choses peuvent changer. Farah Taït Ali, il reste 30 secondes, je vous les laisse. Ah ben, que voulez-vous que j'en fasse de 30 secondes? On va clôturer le débat en revenant toujours sur la visite de M. Macron. Je vais faire un pronostic. Je le vois très très mal déborder les partis traditionnels et devenir président de la République française. Je ne sais pas si nos gouvernants l'ont choisi, mais personnellement, à titre de pronostic, je pense que s'ils l'ont choisi, ils ont joué un mauvais cheval. Merci Farhat Taït Ali, merci Ibrahim Younsi, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bravo à la khair, bismillah.